violence, nous ne pourrons jamais l'accepter. Jamais nous n'accepterons qu'on criminalise des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de syndicalistes ou autres activistes dans ce pays. Nous, parce que nous revendiquons, eh bien, nous revendiquons notre droit, mais nous faisons aussi vivre la démocratie et nous faisons vivre le contre-pouvoir dans ce pays. La loi Rumpelstiltskin nous retire des moyens d'action. Et la question n'est plus de savoir si on nous fait faire 10 mètres, 50 mètres ou 100 mètres en arrière. On nous fait faire des mètres en arrière. Cette loi, c'est une régression sociale. Et le message doit être clair aux partis qui voudraient la voter. Voter cette loi, c'est voter une régression sociale. C'est voter une régression pour les travailleurs. C'est voter une régression pour les droits syndicaux. C'est voter une régression pour tous les militants dans ce pays. Et les amendements sont insuffisants. L'opinion, c'est un droit fondamental. C'est une des bases de notre démocratie. Et nous pouvons le constater tous les jours, que ce soit pour de grandes actions comme aujourd'hui, que ce soit pour de plus petites actions. C'est la garantie, ça a été dit déjà, c'est la garantie que toutes les voix, même les voix qui ne pensent pas comme la majorité, puissent s'exprimer. C'est la garantie que l'on puisse faire part de nos opinions aux employeurs, aux décideurs politiques, aux acteurs locaux, que l'on montre qu'il existe des solutions. Vouloir introduire une sanction judiciaire d'interdiction de manifester, c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Le champ d'application de ce projet de loi est extrêmement large et il couvre tout rassemblement revendicatif. Or, tous nos rassemblements sont revendicatifs, sinon pourquoi nous rassemblerions-nous? C'est le cœur de notre action, les opinions, c'est un droit fondamental. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Je suis là, nous sommes là avec la Ligue des droits humains aujourd'hui pour vous témoigner de tout notre soutien et à travers nous, du soutien de toutes les organisations de la société civile qui sont derrière cette coalition, parce que vous l'avez compris, ça va très au-delà des questions de syndicats, c'est pas seulement les syndicats qui seraient impactés par ce projet de loi, c'est toute la société civile, c'est tout le droit de manifester en Belgique qui est en jeu aujourd'hui. Alors, ce que nous disons depuis le début, c'est que ce projet, il est à la fois inutile et dangereux. Il est inutile parce que si la réalité, si l'intention véritable du ministre Van Kippenborn, c'est de lutter contre les casseurs, il a tout ce qu'il faut dans le code pénal aujourd'hui pour lutter contre les casseurs. Toutes les infractions sont déjà dans le code pénal, on n'a pas besoin de cette loi. Elle est aussi dangereuse parce que, comme vous l'avez entendu, il est clair que ça va viser les personnes qui manifestent. Ça ne vise pas seulement les casseurs, ça va provoquer des amendes, des poursuites contre des gens qui n'ont fait que manifester et défendre leur droit dans la rue. Aujourd'hui, on est dans la rue parce que c'est la dernière ligne droite avant la votation d'une loi soi-disant anti-casseur. Mais cette loi, en fait, quand on la lit, on se rend compte qu'elle va permettre aux partis politiques au pouvoir, n'importe quel parti politique au pouvoir dans l'avenir, de sanctionner toutes les mobilisations, qu'elles soient syndicales ou militantes, de manière assez importante, avec des possibilités même d'emprisonnement sur, par exemple, de simples actions qui pourraient entraver la circulation. Et donc, on n'attaque pas seulement que le monde syndical, on attaque tout le monde militantiste. Et ça va permettre, en fait, aux partis politiques de faire passer tout un tas de mesures en effrayant les gens et en leur disant: si vous revendiquez, si vous vous mobilisez contre les mesures qu'on veut faire passer, eh ben, il y aura des sanctions, et même des sanctions très très graves avec de l'emprisonnement.